Clap, c'est parti. Vert et noir. Aucun. Sous-marin. Elec. Espace très confiné. Normandie. Donc je suis technicien électricien. Mes missions sont de contrôler les câbles à bord des sous-marins nucléaires construits à Cherbourg. Il y a 9000 câbles à bord des sous-marins, donc qui couvrent toute la surface possible. Cela représente 13 000 contrôles. La mission consiste à vérifier la continuité électrique des câbles à l'aide d'une sonnette. Chaque inspecteur se met à l'extrémité du câble et va contrôler chaque conducteur. Si ça sonne, la continuité est bonne. Sinon, il faut faire un diagnostic pour vérifier si le câble est bien câblé ou qu'il n'est pas coupé. J'ai connu la PAV par une annonce déposée à l'IUT de Cherbourg pour faire mon DUT génie électrique en alternance. 2 heures après mon mail à la PAV, j'ai eu un coup de fil pour 2 jours après avoir un entretien pour une offre d'alternance. Je suis chez APA officiellement CDI depuis le 1er septembre 2021. Oui, tout de suite après l'alternance, on m'a proposé une offre en CDI avec un plan de carrière. Mon intégration se passe bien depuis le premier jour de mon alternance. Je suis accompagné par l'agence et soutenu par mes collègues. Lors de mon alternance, j'ai pu passer des formations et monter en compétences. De plus, la PAV m'a proposé un plan de carrière pour poursuivre l'aventure chez eux après mon alternance. Terminé, barré, machine, coupé.